Alors bonjour, l'Europe serait-elle le dindon de la farce en ce qui concerne l'embargo sur le pétrole russe? Voyons cela au micro d'André Berkoff. Joie. Alors est-ce qu'on est en joie en Europe? En ce moment, on va demander ça à Paul-Marie Couteau, que nous avons reçu, que nous recevons toujours avec plaisir, qui est essayiste, qui est directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. Mais je voudrais parler surtout de l'Europe avec la politique européenne. On ne comprend plus grand-chose. Ursula von der Leyen dit quelque chose, Macron dit quelque chose. Alors on dit, oui, ça y est, les 27 ont voté unanimement l'embargo sur le pétrole russe, ça y est, on ne va plus s'adresser d'ici la fin de l'année aux Russes. Vous en pensez quoi? Ce qui est très intéressant, c'est que l'on apprenait hier que, cher André Berkoff, l'Inde, par exemple, qui est un vieux partenaire de la Russie, qui a beaucoup d'alliés dans le monde, c'est assez intéressant. C'est plutôt l'Occident qui s'isole, mais nous y reviendrons peut-être. Avait quintuplé, peut-être un peu plus, son volume d'achat de pétrole russe. Pourquoi? Pas simplement pour satisfaire sa consommation continentale, oui, parce que c'est presque un continent, mais pour le revendre à l'Europe, avec évidemment une solide commission. C'est-à-dire que l'Europe est le dindon de la farce. L'Europe va arrêter d'acheter du pétrole russe, la Russie vend à l'Inde, et l'Inde nous revend le pétrole beaucoup russe. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Magnifique. Et la phrase du général de Gaulle, au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote, veut dire qu'il n'y a pas de victoire politique sans réflexion préalable. Mmh. Une réflexion large, une réflexion qui prend en compte l'ensemble des forces du monde. Alors, en l'occurrence. Et en l'occurrence, si l'Europe est le dindon de la farce sur cette affaire pétrolière comme sur bien d'autres, et si l'hymne à la joie est assez hors de saison, c'est que, pour beaucoup d'Européens, la vie se fait de plus en plus dure, et je crains que ce soit pire dans les prochaines années, dès les prochains mois. L'Europe est passée du centre du monde il y a un siècle à... ça n'est même plus un sujet de l'histoire, c'est un objet de l'histoire. Un objet aux mains de qui ? Aux mains des États-Unis. Et vous savez, quand on est soumis, André Berkoff, tout le monde peut comprendre ça, on n'est jamais prospère. Tôt ou tard, la soumission coûte cher. En France, la dépendance est maximale pour beaucoup d'éléments de consommation stratégique, la machine-outil par exemple. Nous avons besoin, pour nos transactions, d'utiliser beaucoup plus que l'euro ou le dollar, c'est-à-dire une monnaie étrangère dont nous dépendons, et cela depuis longtemps. Et je voudrais attirer votre attention sur... l'impérium américain, le grand impensé au fond de la politique française. On n'arrive pas à s'en rendre compte. Et pourtant, c'est capital. Nous sommes soumis par-dessus tout, quant à notre politique étrangère, à la politique, c'est-à-dire notre relation au monde à un ensemble d'intérêts, de principes, si on peut dire, qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de Washington. Mm-hmm. Ça va très loin, jusqu'à notre langue, par exemple. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes imprégnés par la culture américaine. Encore une fois, c'est une grâce à cette imprégnation culturelle, à cette colonisation culturelle, nous acceptons, sans le voir, l'impérium américain qui va très loin. Il y a un grand penseur sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, oui, qui est Zbigniew Brzezinski. Grand personnage qui est mort il y a 3 ou 4 ans, mais qui a inspiré pendant
près de 30 ans la politique états-unienne. C'est lui qui avait créé, d'ailleurs, avec Rockefeller dans les années 70, la trilatérale, pour commencer. Oui, monsieur. Un de ses grands projets de la trilatérale, c'est important. C'est lui qui a fliqué, on peut dire, fiché les intellectuels européens, selon qu'ils étaient dociles vis-à-vis de, ou pas. Bon. Vous savez, quand on est sur la fiche des indociles... Oh, est-ce que l'URSS ne faisait pas la même chose? Oui, mais elle n'avait pas les moyens de l'imposer aux radios et aux télévisions françaises. Voilà, c'est pas du tout le même, la même mais, puissance. Alors, quel était le fond de, donc, de la... Et Brzezinski, oui. Donc, c'est pour vous décrire le personnage que je relatais, la trilatérale, son fruit, c'est aussi lui qui a inventé l'utilisation des moudjahidines, puis de l'islam, en contre Afghanistan, la, puis l'URSS, ailleurs. Etc. Et puis contre toutes les puissances laïques du Proche-Orient. Ça fait beaucoup de dégâts. Et il avait une obsession, et c'est ça le nœud central, et qui est une grande erreur, à mon avis, pour les États-Unis, c'est que pour lui, le monde était un vaste chaos, sauf si les États-Unis en prenaient le contrôle. Mmh. C'est le point de départ. Mais c'est presque un messianisme, en réalité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'empire du bien, ce sont les États-Unis. Oui. Et il fallait contrôler tout. Au monde. Il fallait contrôler l'ensemble de l'Europe. Quand je dis l'ensemble de l'Europe, c'est l'Europe occidentale. Ça ne posait pas de problème. Comme je disais, la colonisation culturelle est telle que nous faisons contrôler sans même nous apercevoir au nom de l'alliance, de l'amitié, etc., etc., qui est une manière de nous soumettre et de cacher cette soumission à nos propres yeux. Mais il fallait soumettre l'ensemble de l'Europe. Et l'obsession de Brzezinski, qui a quand même été le conseiller spécial de Carter, après des deux Bush, père et fils, de Clinton, d'Obama, bon, ça s'est arrêté évidemment avec Trump. Son idée, c'était que pour circonvenir la Chine, pour la contenir, il fallait non seulement la puissance maritime, américaine, grande théorie, le contrôle du monde par la mer, ils ont utilisé Kennan et autres jusqu'à plus soif, si l'on peut dire, mais aussi par le nord, c'est-à-dire par l'Interland, c'est-à-dire par l'Europe, et cette partie tellement cruciale de l'Europe, j'ai eu l'occasion de vous le dire lorsque vous m'avez invité il y a 3 mois, qu'est la Sibérie. Et pour ça, il faut absolument, c'était son objectif, démanteler la puissance russe. Alors on s'est beaucoup étonné que les Américains continuassent à contenir justement, et même à vouloir détruire la Russie, après même la chute de l'Empire soviétique. Mais c'était encore plus dangereux, la Russie, libre, si l'on peut dire, en tous les cas non communiste. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle est moins embarrassée par son idéologie, et d'autre part, elle peut être gouvernée selon des principes beaucoup plus efficaces, qui ont été ceux de Poutine. Rappelons que depuis que Poutine a pris le pouvoir en 2000, le niveau de vie des Russes a été augmenté par 5. Claire, même ses plus grands ennemis ne le nient pas. Il a réussi à redresser la Russie, et c'est le grand problème des Américains. Et il a réussi notamment à redonner à la Russie un rôle stratégique important, on l'a vu en 2013. Ben on le voit aujourd'hui. En Syrie, et on le voit aujourd'hui. Et, avec la guerre économique. 2013, Syrie redressé et Daesh battu par la Syrie, en fait par la Russie, utilisant son amitié, sa vieille amitié avec la Syrie. 2014, Maïdan, c'est-à-dire une opération dont beaucoup d'officiels américains ont admis qu'elle était montée, même qu'elle avait coûté cher, pour renverser le pouvoir qui n'était pas pro-russe, mais qui maintenait une neutralité, qui tenait à une autre, qui avait développé des relations avec l'Occident, et pour mettre à la place quelques rigolos du genre Zelensky, qui étaient des affidés des États-Unis. Oui, c'était avec Poroshenko d'abord, et puis Zelensky, et d'autres. Oui. La théorie de Brzezinski, qui consiste à détruire la Russie, non seulement ça n'a pas détruit la Russie, et la Russie, comme Napoléon a pu le vérifier, comme Hitler a pu le vérifier, ne peut pas être prise en main facilement. Et finalement, elle s'allie à la Chine contre les États-Unis. Même on peut dire que les États-Unis ont poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et le résultat, c'est que dans ce jeu à trois, c'est nouveau par rapport au communisme. Il y avait il y avait Washington, Moscou. Là, il y a un troisième acteur, non des moindres, c'est Pékin. Eh bien, Washington a réussi à s'isoler
et il est seul en face d'un axe Moscou-Pékin qui finit par marginaliser l'Occident et l'Europe avec. Alors, le triumvirat Amérique-Chine-Russie, qui pousse qui dans les bras de qui? Mais alors l'Europe, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui, Paul Marie Couteau, on se pose la question, vous savez qu'un certain Christophe Guillouy avait écrit La France périphérique il y a quelques L'Europe années. Périphérique. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans l'Europe périphérique? Est-ce que l'Europe n'a pas quitté la scène pratiquement et joue les spectateurs plus ou moins effarouchés et plus ou moins cocufiés? Oui, il y a une cause principale à la marginalisation de l'Europe devenue en effet périphérique. C'est qu'elle n'a pas compris qu'elle se reposait sur une puissance qui ne voulait pas son bien. C'est-à-dire sur Washington. Propagande. Et oui, mais on était... Attendez, Paul-Marie Couteau, je veux faire pas l'avocat des Américains. Vous êtes sceptique. On était content de les avoir en 44 quand même. Hein. Oui, et en 17, ça a commencé. Ça a commencé en 17, absolument. Mais vous savez, en 17, quand ils sont arrivés en juin 17 avec Pershing, ils ont commencé par faire du cinéma, c'est-à-dire de balader des expositions sur le thème Le sauveur américain est arrivé. Ça a commencé comme ça, la propagande. D'ailleurs, dans le même temps, elle était théorisée aux États-Unis, la propagande d'État. D'accord. Et ils s'y entendent. Ça a été le jazz, ça a été le chewing-gum, ça a été... Bon, d'accord, mais ça c'est normal, ils jouent leur jeu. Ça a été Mickey. Mais ce que vous ne dites pas, moi la question que je vous pose... Je crois que je réponds à votre question, cher André. Non, cher Paul-Marie, parce que je veux bien, mais alors pourquoi? Parce qu'on dira, voilà, les Américains ont fait ce que vous dites, et je ne dis pas que c'est bien, au contraire. Mais pourquoi on n'a pas eu de chef d'État et des hommes d'État européens, et pas seulement de Gaulle, on parle toujours de Gaulle, qui étaient incapables de réagir parce qu'ils ont été séduits, c'est pas pour rien que je vous ai parlé de la trilatérale et de Brzezinski, on fiche les hommes politiques et les intellectuels aux États-Unis. Vous me dites, l'Union soviétique l'a fait, mais sans les moyens des États-Unis et sans la séduction des États-Unis. L'imaginaire européen n'est pas devenu un imaginaire soviétique. Non. C'est devenu un imaginaire américain. Notre imaginaire a été conquis. Et combien d'hommes politiques se sont précipités? Un des plus assidus était François Mitterrand, d'ailleurs, dans les années 50. Donc vous dites que l'Europe à l'ambassade des États-Unis. Oui, mais alors, donc vous c'est dites ça, que la domination n'a aucune volonté de... D'abord, elle ne parle pas la même langue, ça c'est encore autre chose, mais l'Europe donc unie ne veut... Soyons clairs, l'Europe unie ne veut rien dire aujourd'hui. Ben, je crois avoir l'occasion de vous le dire il y a 3 mois, l'Europe ne peut parler d'une seule voix que pour ne rien dire. Il y a eu le piège américain. Et ça, c'est très important, qui a été l'Union européenne installée dans les fourgons de la reconstruction et du plan Marshall, et qui a été une manière assez habile de neutraliser les politiques étrangères pour désarmer les politiques étrangères, notamment celle qui les gênait le plus, celle de la France. Bon, j'ai été longtemps en poste, enfin un certain temps en poste à l'ONU, auprès de Boutros-Ghali. On voyait bien que la puissance qui, au Conseil de sécurité, embarrassait le plus les États-Unis, j'y étais dans les années 92-93 avec Boutros-Ghali, 94, c'était la France, parce que la France avait, parmi les autres membres du Conseil de sécurité, des alliés. La politique française a été circonvenue par la politique étrangère et de sécurité commune. Vous ne pouvez pas prendre de position, aucun État, aucun gouvernement ne peut prendre sur la scène du monde des positions qui soient contraires ou trop différentes de celles des autres États. Comme on n'a pas les mêmes intérêts, comme on n'a pas les mêmes alliances, eh bien on finit par ne rien dire. Et c'est ainsi, comme pour paraphraser Molière, c'est la neutralisation. Et c'est ainsi que l'Europe est muette. Et c'est ainsi que l'Europe est muette. Et je rappelle que vous êtes directeur de la... Et donc soumise, et donc elle s'appauvrit. Pierre Conessa est un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense. Le mois dernier, il a publié dans Le Monde diplomatique un article très, très intéressant sur les intellectuels qui, sur les plateaux de télévision, prêchent la guerre et encore la guerre. Nous, on a fait une trentaine d'interventions militaires depuis 91, mais nous, c'est pas pareil, puisque nous, c'est pour le bien. Et puis, évidemment, on est démocratie. Bon, je pense que les Irakiens bombardés par des bombes démocratiques, si vous voulez, ça ne devait pas leur faire une grande différence. Hein. Bon. Et donc, cette idée, si vous voulez, qui est un des ressorts de ce complexe militaire ou intellectuel, c'est l'idée que de toute façon, nous faisons la guerre pour éviter la guerre. C'est ça l'originalité, vous voyez. Et donc, vous avez sur les plateaux télé, auxquels d'ailleurs j'appartiens en particulier, mais moi je ne suis pas un belliciste,
Vous avez des gens qui, effectivement, progressivement, prennent de plus en plus de place. Alors parlons d'eux, parce que Pierre connaît ça, c'est un complexe, ce sont à la fois des intellectuels, mais pas seulement, c'est une forme d'élite qui pousse à la guerre. La différence, si vous voulez, par rapport à la génération précédente, c'est qu'ils parlent de la guerre, mais ils ne la font pas. C'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui font, effectivement, comme certains auxquels tout le monde pense, vont sur place, ils écrivent sur un mur « Liberté, égalité, fraternité », mais je suis sûr que Poutine en a frémi quand il a appris qu'on avait écrit Quelle ça ironie. Sur ironie, vous êtes ironique ce matin. Non, pensez-vous. Oui. C'était Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou, souvenons-nous, en 1979, sur les horreurs des Khmers Rouges, il avait dénoncé à l'époque une campagne anti-cambodgienne avec une tribune dans Le Monde intitulée « Kampuchea vaincra ». Ouais. Mais depuis, Pierre Conessa, bah, il a reconnu, il s'est excusé de telles prises de position. Oui, mais vous voyez, finalement, encore une fois, j'essaye de me mettre dans la tête des rédacteurs du Monde qui ont reçu cette tribune. Bon, il y avait des journalistes du Monde qui savaient quand même ce qui s'était passé, mais je pense que pour un journal positionné comme l'est Le Monde, d'avoir une tribune de ce qu'on considérait comme un grand intellectuel était peut-être pensé comme une contribution au débat, mais enfin, l'horreur de ce qu'a été le Kampuchea démocratique... après coup, évidemment... Évidemment. Mais tous ces experts qui se succèdent souvent dans les médias, vous en faites aussi un peu, pardonnez-moi, hein, Pierre connaissait un peu partie. Et puis Absolument. vous avez fait partie d'ailleurs dans votre carrière de la haute administration publique, de la DGSE aussi. Mmh. Vous n'êtes jamais trompé ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais encore une fois, c'est le bouleversement qui se passe une fois que disparaît l'URSS. Par exemple, bon, évidemment, on demandait à la DGSE d'avoir des compétences particulières sur l'URSS. Mm-hmm. Mais quand l'URSS disparaît, vous ne faites pas tout à coup une spécialité pour aller vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'Irak, d'abord parce qu'on avait soutenu l'Irak, donc on pensait qu'on connaissait, ou alors tout à coup vous formez sur le salafisme djihadiste, etc. Donc si vous voulez changer tout un système de renseignement pour avoir des experts, etc., c'est une tâche compliquée. Et donc, je vous rassure, tous les services de renseignement sont trompés. Ah non, je ne suis pas rassuré du tout, et ni nos auditeurs ce matin. Et on a l'impression, en vous lisant quand même Pierre Conessa, qu'il y a aussi une partie de nos experts qui sont armés, qui viennent armés de leurs préjugés. Bien sûr. De beaucoup d'idéologies, avec certaines lunettes pour voir le monde. Bien sûr, parce que, si vous voulez, une fois qu'a disparu l'Empire du Mal, donc on est, comment dire, on s'auto-valide, évidemment, quand du bien, et puis on va s'auto-mandater gendarme de la planète. Bon. Et on a donc effectivement, et encore une fois, ce ne sont pas que des intellectuels. Vous avez des penseurs, vous avez des humanitaires. Par exemple, à propos de la Somalie. Somalie, rappelez-vous. Guerre oubliée, hein. Non, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est de l'expliquer pourquoi elle est oubliée aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, toute l'opinion française est scandalisée par le fait que des pillards pillent les aides humanitaires apportées par, par l'ONU. Et donc, l'émoi de l'opinion a appelé une décision. Moi, j'en parle avec Broman, et Broman me dit « Oui, j'ai appelé mes équipes de MSF sur place, ils me disent... » Les Médecins Sans Frontières, Médecins oui. Sans Frontières, pardon. Et ils disent « Mais les types qui volent les convois ne sont pas des voleurs, ils redistribuent à leur clan, c'est-à-dire qu'ils ne revendent pas. Et donc, si on augmente le flux, on tue une partie de la conflictualité. » Et pendant qu'il est en train d'essayer d'expliquer ça à New York, Kouchner, ancien humanitaire, ministre des Affaires étrangères, décide l'intervention. Donc, vous voyez qu'il y a un basculement vers ce choix militaire, qui est souvent le plus mauvais d'ailleurs. J'espère que cette revue de presse vous a plu. À bientôt. Au revoir.